Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 100 choses à faire avant de mourir. Aujourd'hui, on va se balader sur les toits de Paris. Et ouais mon gars, allez ! Alors c'est vous qui m'accompagnez ? Ouais. Cool. Suivez-moi. Ok, genre super chiant quand tu veux monter dans les toits, c'est qu'il faut que tu tapes 6 étages à pied en général, voire plus. Et c'est hyper fatigant, moi j'aime pas trop. Voilà, on est arrivé sur les toits, c'est plutôt cool, hein. Donc du coup, on va essayer de se balader un peu, parce que c'est le but, sans glisser, parce qu'on est quand même sur du toit glissant, on va dire. Oups. Allez, let's go. Mets peut-être la caméra autour de toi. Ouais. Ce soit rouge. Là, c'est rouge. Là, c'est bon. Hein. Donc là, ça filme. Mais là, on doit me voir de méga près, non? Ouais. Ouais. C'est bien. Non, c'est moche. Pourquoi? Parce que j'aime pas quand je suis trop près, en fait, parce que je suis pas beau. Non, juste, je voulais dire, faites pas ça chez vous parce que c'est dangereux. Donc, le faites pas chez vous ou avec des potes parce que c'est dangereux à la base. Mais si t'es aventureux, fais-le. Tu me cadres pas quand je parle, ça sert pas à quelque chose. Ouais, si, je t'ai cadré. Et moi qui ai un peu des vertiges en ce moment, ça aide pas, je te le dis. Il faut se cacher parce qu'on n'est pas censé avoir le droit de faire ça, donc faut quand même faire gaffe. Il y a du vis-à-vis. Faut se cacher. J'espère qu'on va pas se faire cramer. Là, on est hyper à découvert en fait. Parce que, genre, on est sur un des toits les plus hauts en fait. Donc, du coup, on est hyper visible. Mais on s'en bat les couilles, hein, parce qu'on est des racailles. Allez. Et oh, la plus belle ville est quand même là-bas derrière. Ouais, t'as Montmartre là, c'est pas mal. T'appart. C'est un hôtel. Putain, j'ai vraiment failli me ramasser, ça glisse de malade. Règle numéro 1, on ne va pas sur les toits en converse. Tu glisses toi? De ouf. Non, ça va. Je suis en converse. Hein. Putain, mais qu'est-ce que c'est rouillé par. Ça bouge et tout. Je sais pas si c'est tellement une bonne idée là. Non. Ok, donc je crois que c'est vraiment l'endroit le plus cool de Paris, franchement. Je conseille à tout le monde de faire ça au moins une fois dans sa vie, comme moi. Voilà. On va essayer de continuer un peu la balade, mais ça me semble un peu complexe parce que les bâtiments sont un peu pourris, quoi. C'est plein de rouille et c'est. Je sais pas ce que tu fais toi là, mais tu fais quoi là? Tu vas où? Bah, j'explore. Ah, ok. Le mec il a plus de couilles que moi. Bye. Bye. Parce qu'il y a des traces de pieds par terre, t'es. Genre on est les premiers. Ouais. Par contre, tu te souviens après comment on retourne? Bah non, mais on a trouvé. Ok. On a toute la nuit. Ah ouais, surtout qu'il est 15h. J'ai pas tellement regardé ce qu'on encourait à aller sur les toits de Paris, mais apparemment, il y a une amende assez sympa. Voilà. Mais au pire, on va faire comme quand on était gosse, on dira qu'on savait pas. Pas parce que j'ai peur, je me tiens parce que ça glisse, ok? Bon, alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'on marchait, il y a un des voisins qui nous a vus parce qu'on est sur le toit et que sa tête donne exactement à la même hauteur. Et du coup, il nous demandait ce qu'on foutait parce qu'il croyait qu'on le filmait parce qu'il y a déjà du vis-à-vis que ça faisait chier, mais en fait, on lui a expliqué que. On s'en fout de sa vie, en fait. On se met une clope. Psychologiquement. Tu vois, j'apprends le métier de cadreur. Ça va, ça te plaît? Ouais, le truc
mon briquet marchait pas, et là pour demander à quelqu'un s'il a du feu c'est un peu compliqué. Mais bon, on fait avec. Donc on va faire une petite visite, là-bas c'est Montmartre mes gars. Ensuite là-bas, il y a la tour Montparnasse. Là-bas, il y a la tour Eiffel. Et aide-moi un peu là. T'as oublié l'opéra? Il y a l'opéra Garnier. Là. Ah oui, l'opéra Garnier il est là. Putain, on va vraiment bien la gare. Yeah. Je sais pas trop si on est censé flipper, mais on entend vachement les voitures de flics en fait. Du coup, on espère juste qu'ils vont pas venir nous chercher parce qu'on est pas dans la merde. Bon bah, ce qui est cool dans ce quartier, c'est que les gens sont sympas. Du coup, j'espère que personne nous a dénoncé. Mais en tout cas, les gens ont l'air cool. Donc c'est ça qui est bien. On a l'impression de être à Paris, c'est que t'as pas de vie, y'a personne. C'est tellement bien. Pourquoi tu me filmes aussi près là? Tu sais que les taux de Paris sont classés. Mieux qu'on y arrive. Bah sinon on appelle les pompiers, hein, ils viennent nous chercher avec leur grande échelle. Ah ouais, les pompiers, venez. J'ai peur. C'était méga galère. Je suis crade, comme pas possible. J'ai besoin d'une douche. C'était horrible. C'est par où? Par là. T'es sûr? Bah je pense ouais. Je n'en ai aucune idée en fait. Mais c'est ça qui est drôle. Parce que du coup peut-être qu'on va rester coincé là pendant 3 heures. On est perdu. Ouais. Allez. Mon pantalon il est dégueulasse. Oh. Il est plein de rouille et tout. Heureusement que je l'aime pas. Il est sponsorisé par Quechua. Comme ça c'est des vêtements. Et je m'en fous si je les habille parce que ça coûte pas cher. C'est moche donc c'est cool. Bah je t'imagine, tu tombes là, tu fais un toboggan, vol plané. Aqualand devrait y penser, non? Ouais. T'imagines s'il pleuvait? Ben là je pense qu'on l'aurait passé. On serait déjà en bas. Ah bah on serait déjà au paradis là. Au paradis des homosexuels. Le soleil se lève et tout. Je vais prendre une petite photo. Ouais. Mais en fait tu sais pas trop où la prendre parce que c'est beau partout en fait. Tu vois, c'est là-dessus qu'il faut pas marcher. Bah pourquoi on marcherait là-dessus? Bah parce que parfois il y a des verrières sur, à la place du zinc. Mmh. Et il y en a plus d'un qui l'a traversé. C'est là la descente de fou. Oh, c'est chaud. Salut. On se barre parce qu'en fait il y a des abeilles et genre je crois qu'il y a des ruches. Et le truc c'est que si on se fait piquer par les abeilles, ça fait mal. Et donc on va éviter de les faire chier et de se faire piquer, donc on se casse. Voilà. Juste quand le soleil arrive, c'est génial. Et bien voilà, c'est une fin de tournage pour 100 choses à faire avant de mourir. J'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que ça me ferait grave plaisir. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!